Yo les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War et aujourd'hui on se retrouve concernant le retour d'une best class setup que j'ai présenté lors de mon top 10 des meilleures classes pour ceux qui auraient vu hier. Je vais donc reprendre la classe de Monsieur Scump, vous devez certainement connaître. Excellent joueur, top player CWL, joueur professionnel sur Call of Duty. J'ai eu envie de rejouer un peu à la XM4 parce que j'arrête pas de jouer LC10 AK-74 rue. Je me suis dit, et tiens si je rejouais avec un fusil d'assaut. Et du coup, j'ai réalisé une énorme game avec. J'ai réalisé une double nucléaire solo réalisée sur Twitch. Donc si c'est toujours pas le cas, n'oublie pas de follow sur Twitch. De follow également Twitter et Instagram. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui ont réalisé leur toute première nucléaire récemment et qui ont enregistré le gameplay, n'hésitez pas à me le dire sur Twitter ou sur Instagram, tout simplement parce que je vais faire une vidéo dessus où tout simplement j'ai analysé vos déplacements ou toute autre chose. Et comme ça, votre gameplay pourra passer sur la chaîne YouTube et on pourra parler de tout ça. Mais avant d'attaquer le gameplay et la best class setup, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. En ce moment, on est quand même assez actif, on est quasiment à une vidéo par jour. Et on n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu. Les 1000 likes en moins de 24 heures, ça prend 2 secondes. En plus, on a tapé une double nucléaire solo en live sur Twitch. Tout ce qu'il faut. Le gameplay était vraiment God Lobby, on va pas se le cacher. Vraiment, le gameplay était God Lobby. Les autres lobbies de base étaient vraiment très tryhard et celui-là, il était vraiment beaucoup moins tryhard. Et là, j'en ai profité. Très clairement, j'en ai profité. J'ai dit, allez, c'est parti, let's go faire un tout gameplay. Donc, défonce-moi la barre de like. Je vous laisse avec le gameplay et ensuite, après, on attaque la best class setup. Ah, t'es vraiment en train de camper depuis tout à l'heure, en fait. Il est en 9-0, il est en train de camper derrière la voiture depuis tout à l'heure. Ah, il est mort, ok. Je me disais aussi, je le voyais plus là. Ah, j'ai plus de mune. Bah, je suis désolé, hein, stunner en attendant. S'il vous plaît, les potes, lâchez pas de dislike sur le live. Ah, bah non, ça existe pas, puisqu'on est sur Twitch. Mais moi. Je fais ce que je peux. T'es sûr que tu veux pas venir un peu me rush, toi? Je te sens chaud, là. Allez, mec! En fait, le problème, c'est que, primo, j'ai plus de munitions. Ah, c'est bon, j'en ai enfin. Enfin! Oh putain, ils vont tous venir. Hein. Oh putain, ils vont tous venir. Ils sont tous revenus en arrière. Ça vient à peine me traquer, hein. Mais vraiment à peine. Hein. Let's go! Nucléaire XM4. Est-ce qu'on n'irait pas tâter la double?
Est-ce qu'on irait pas tâter la double? Let's go! Ah, en tout cas, ça me traquait, hein. Putain, qu'est-ce que ça me craquait à la fin. Bah, il la voulait, hein, Vapo, à la fin. Hein. Oh là là. On est à combien de nukes durant ce live? 7 nukes? Jamais autant. Franchement, franchement, vous ai dit, hein, les lobbies de la saison 4, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ils ont descendu le SBM, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais c'est tellement magnifique. Let's go la double. Ok. Here we go again, my friends. Here we go again. En forme ce matin, très très en forme. Oh, des petits coups de Cancestite, c'est magnifique. Une tourelle automatique. Je suis une tourelle auto. Ouais, non, c'est bon, j'ai compris. Recharge, merci. Attendez, attendez, on est parti pour la double, hein. Ok. Ouais, l'allié, tu me fous dans une merde, mais tellement incroyable. On perd B. Bien vu, l'allié. Piscine? J'ai pas l'impression. Hein. J'ai l'impression que c'est piscine. On va se casser de l'autre côté. J'en ai vu un là. Sûr et certain que j'en ai vu un. Mais il est où? Ok, c'est bien ce que je pense. On va éviter. On a bien fait de move, hein, sans le vouloir. Je suis vraiment concentré, les amis. 25. 5 kills de la double. Yoarline, comment tu vas? Désolé hein, si je parle pas beaucoup, les amis. Et let's go, double nucléaire XM4. Let's go. Oh mon dieu. C'est la deuxième double nucléaire. Mais non. Mais trop chaud aujourd'hui. Trop chaud. Oh mais quel bonheur. Ouais, voilà pourquoi j'aime Cold War là. Ah, tous les jours Cold War comme ça, c'est magnifique hein. Ah, je peux continuer à jouer toute la journée comme ça à Cold War. Je peux faire 8 heures de live si les lobbies sont comme ça. C'est tellement plaisant.
Let's go. Comment ça hitmark? Meurs un moment, monsieur. Non! Heureusement qu'il était mauvais. Et let's go! 11 de ratio. 11 de ratio, double nucléaire XM4. Je pense que cette game, elle peut partir sur YouTube. Vous en pensez quoi dans le chat? Elle part sur YouTube? La double nucléaire? Voilà, j'espère que le gameplay vous aura plu. N'oublie toujours pas de lâcher ton gros pouce bleu si c'est toujours pas fait. Et t'abonner si tu es nouveau. Au niveau de la best class setup, on se retrouve donc avec le micro flex LED qui est pour moi le meilleur viseur très clairement. Au niveau de la bouche, j'ai mis le frein de bouche que vous pouvez éventuellement changer avec soit l'éliminateur SOCOM ou tout simplement avec le quatrième, avec le compensateur qui est très 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 utile. Donc de nouveau, c'est au choix là-dessus. Le canon, de nouveau le quatrième canon, l'accessoire de canon, la poignée agent de terrain. Et la dernière poignée, évidemment, si vous arrivez à bien gérer le recul, vous pouvez enlever ça pour mettre tout simplement l'appui Raider. Et ça s'utilise plus comme une sorte de mitraillette qu'une sorte d'arme polyvalente. Mais de nouveau, c'est au choix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde!